Je vais devenir un vrai dieu dans Brookhaven. Et je pourrais faire tout ce que les dieux de Brookhaven peuvent faire et ça va être vraiment incroyable, mais juste avant. Donc franchement, à ta place, je m'abonnerai et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, ça veut dire que tu n'aimes pas tes parents. Donc abonne-toi si tu aimes tes parents. Et du coup, pour la première astuce de dieu dans Brookhaven, ce qu'on va devoir faire, c'est se rendre à l'école de Brookhaven juste là-bas. Brookhaven School. Une fois ceci fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'école et on va se rendre juste ici au niveau des toilettes. Et là, les gars, j'ai une astuce vraiment de fou qui peut vous faire passer pour un dieu auprès de n'importe qui, puisque si, regardez, on se met dans les toilettes juste ici et on dézoome un tout petit peu, donc on va faire en sorte de pas être visible et que là, on appuie, ça éteint et rallume la lumière, donc on va l'utiliser tout de suite sur des gens et vous allez voir, mais c'est vraiment incroyable. Et regardez, mais ok, il y a une fille qui a monté les escaliers. Et je crois qu'elle est avec son copain, car regardez, il dit salut et elle dit ça va bébé. Ok, donc ils sont en train de se parler. Ce qu'on va faire, les gars, c'est que pendant qu'ils se parlent, on va éteindre la lumière. Et là, on va tout de suite la rallumer. Et attendez, elle est en train de s'embrouiller. Elle lui a dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi la lumière s'est éteinte? Elle a dit c'est toi pour l'interrogation. Oh oh, oula, elle a l'air de pas avoir trop confiance en lui. Ça commence mal, c'est pas moi. Je vais dire bizarre. Attendez, mais elle lui a dit bizarre là. C'est moi, c'est toi, il a dit. Oh, mais c'est en train de s'embrouiller. Attendez, on va réteindre et rallumer. Elle a dit quoi? C'est toi, tu mens. Oula, ils sont vraiment en train de s'embrouiller pour ça, là. C'est heureusement qu'ils savent pas que c'est moi, parce que sinon, ils m'auraient bien défoncé. Elle a dit quoi? Menteuse. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va rééteindre la lumière et cette fois-ci, on va pas la rallumer. Elle a dit quoi? Arrête. Elle a dit, wesh, pourquoi c'est tout noir? Et elle est en train de partir en courant. Oh non, attendez, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'essayer d'aller la suivre. Et oh non, elle part en courant. Le pauvre. Et oh non, regardez-le, les gars, il est beaucoup trop triste. Il y a sa copine qui vient de partir. Bon, bah on va faire comme si c'est pas de ma faute. Moi, j'ai jamais été là. Et du coup, pour la prochaine astuce, vous devrez vous rendre à l'hôpital. Et visiblement, à l'hôpital, il y a Ban Ban qui est malade. Donc bon, évitez d'aller à l'hôpital quand même quand il y a Ban Ban parce que ça peut être dangereux. Mais du coup, regardez, juste là, il y a l'hôpital. Et ce que vous devrez faire, c'est être avec un de vos amis et lui demander de vous prendre dans un lit d'hôpital. Tac, je lui dis de me prendre dans un lit d'hôpital et on va tout de suite aller dans le lit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va devoir se diriger dans la salle où vous voulez. Du coup, pour ça, il devra se diriger au scanner. Et du coup, une fois que votre ami sera au rayon X, ce qu'il devra faire, c'est prendre le passage secret juste à côté des rayons X. Je veux dire, tac, je veux dire, passe derrière le panneau noir. Et attendez, mais il y a un problème, je passe pas là. Bon, on va descendre et faudra qu'il me reprenne juste derrière, du coup. Et du coup, une fois que votre ami vous aura pris dans le lit, ce qu'il devra faire, c'est vous ramener, du coup, dans le passage secret juste à côté de la table. Et là, c'est le moment où vous pourrez le prank pour lui faire croire que vous êtes vraiment un dieu. Car regardez, quand il vous amènera juste à côté de la table, oula, mince, là, je vous verrai sous la table ce petit truc bleu. Ce que vous allez faire, c'est toujours sans sortir du lit, vous allez cliquer sur le truc bleu. Et oula, vous avez mince. Ça m'a emmené avec lui. Les gars, je crois que j'ai foiré l'astuce, il m'a cramé. Bon, ok, les gars, du coup, on est de retour, là. Et normalement, j'ai ramené un autre ami. Bon, le problème, c'est que l'ami n'est pas encore là. Mais du coup, il se peut que je m'étais un peu trompé dans l'astuce. Et voilà, nickel, il m'a pris dans le lit d'hôpital, du coup. Et ce qu'il va devoir faire, c'est... Il faut qu'il me lâche du lit d'hôpital, du coup, juste à côté du truc. Oula. Non, là, je suis un peu trop loin, c'est ça le problème. Oula, attendez. Ok, faut que je lui dise de me lâcher, et c'est bon, il m'a lâché, nickel. Juste après, ce qu'on va faire, c'est que... Oula, non, toujours pas. Ok, là, c'est bon, du coup, je suis bien placé, et normalement, là, s'il me lâche, faut que je lui dise de me lâcher. Nickel, j'ai juste à cliquer ici, et regardez, j'aurai un truc dans ma main. Maintenant, il faut qu'il reprenne le lit dans ses mains, et une fois ceci fait, regardez, je suis re-téléporté, et j'ai le truc dans ma main. Et là, normalement, vous pouvez vous faire croire à votre ami n'importe quoi, vous pouvez lui faire croire que vous avez des super pouvoirs. Et là, même si je sors du lit, du coup, regardez, je continuerai d'avoir ça dans ma main. Et du coup, hop, là, je vais lui faire croire que j'ai des super pouvoirs. Et là, franchement, avec ça dans ma main, c'est sûr qu'il va y croire. C'est beaucoup trop impressionnant, et là, vous pouvez vraiment troll vos amis avec ça, ça marchera de fou. Et il a dit, comment t'as fait? Et bah, je lui dirai pas. Et on est parti pour la prochaine astuce de Dieu. Et attendez, mais je me baladais dans Brookhaven et il y a cette personne qui a dit t'es trop moche à cette fille, la pauvre. Je vais dire pourquoi t'es méchant. Et la pauvre est en train de pleurer. Elle a dit c'est toi Snappy. Elle a dit quoi, t'es trop moche aussi, hein? Je veux dire t'es obligé d'être méchante. Et l'autre a dit t'es pas gentil, bah c'est vrai. Elle a dit quoi, si t'es nul et l'autre elle a moins d'abonnés que moi. Mais alors si elle a moins d'abonnés, c'est vraiment pas une raison. Je veux dire, tu sais quoi, je vais te montrer quelque chose. Et on va lui montrer du coup la suivante astuce de Dieu. Et là carrément elle est vraiment pas prête. Hop là, on va l'embarquer dans une voiture avec nous. Et je vais dire suis-moi. Et là c'est le moment de lui montrer quelque chose où elle est vraiment pas prête. Là on va la ramener hop là juste là-bas. Et là on va lui faire découvrir quelque chose. Mais elle va clairement regretter d'avoir été méchante et d'avoir harcelé. Car regardez, hop là, on va aller juste là. Tac, on va se rendre juste ici. Et là on va passer sous la map de Brookhaven. Et là regardez, c'est franchement incroyable. Vous allez juste à partir du côté de la ferme et vous allez juste ici. Et là, c'est le moment où on va pouvoir enfin la venger. Hop là, attendez, je vais dire, monte dans le caddie. Et hop là, on va l'embarquer dans un caddie. Et hop là, on va la mettre juste comme ça au-dessus du vide. Un dernier mot pour interrogation, on va lui dire. Là,
Elle est vraiment pas prête. Elle dit quoi? Attends quoi? Bah non, j'attendrai pas. Allez, hop là, salut. Comme quoi les gars, il faut vraiment pas harceler, faut pas être méchant, sinon bah vous finirez comme elle. Et du coup pour la prochaine astuce, on se retrouve tout de suite au lac de Brookhaven. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se déséquiper tous nos vêtements. Donc hop là, on va s'enlever les vêtements. Et là, bon, regardez, par contre, il y a un problème, on va aussi s'enlever le casque. Sinon, hop là, ça fait un peu trop. Une fois ceci fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur de peau en complètement marron, comme ceci. Marron de la même couleur que le bateau. Et ensuite, on va se mettre vraiment tout petit, comme ceci, hop là. Une fois ceci fait, on va hop là, tout de suite invoquer un bateau. Et on va faire la danse allongée. Et là, regardez, si on va dans le bateau, clac, bam. Là, je suis quasiment invisible. On va juste enlever la tête. Normalement, du coup, attendez, faut enlever la tête. Tac, on enlève la tête. Et là, si je saute dans le bateau, hop là, je suis complètement invisible. Et bon, là, avec un peu de chance, ils me verront pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger juste à côté des deux personnes là qui sont sur l'espèce de petite île. Et attendez, mais ils sont en train de se parler là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit hashtag, hashtag. Et il lui a dit quoi? J'arrive pas à lire, les gars. Je suis trop loin depuis mon bateau. Et il lui a dit quoi, les gars? Je vois pas. Il lui a dit t'es trop belle. Ok, d'accord. Pourquoi il y a un bateau qui bouge? Oh non, elle m'a remarqué. Elle a dit merci aussi. Et lui, il a dit quoi? Il a dit GSP c'est bizarre. Attendez, oh non ils se sont levés, ils m'ont vu. Je veux, bon, faut pas qu'ils remarquent que je suis dedans par contre. Elle a dit c'est quoi ce truc? Elle a dit c'est l'eau, mais elle est débile. Elle a dit pourquoi ça bouge? Et oh non ils m'ont encore vu bouger. Les gars ils doivent péter un câble. Elle a dit quoi? Elle a dit c'est quoi ça? Et oh non elle monte dans mon bateau, mais faut qu'elle dégage de là celle-là. Comment ça elle monte dans mon bateau? C'est mort. Bon on va vite se re-téléporter très loin là, sans elle, parce que sinon hop là. Allez hop là, voilà. Et là on les a perdus au moins. Et du coup pour la prochaine astuce, ce qu'on va devoir faire c'est prendre un vélo. Hop là, on va prendre le vélo juste là. On va mettre la vitesse maximum. Et ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir aller juste ici sur la balançoire. Et là, normalement, si on met la balançoire au maximum, on devrait pouvoir s'envoler avec le vélo. Hop là, allez, on y va. Hop là, hop là. Et ça commence à tourner très très vite. Mais bon, on s'envole toujours pas. Peut-être si on descend de la balançoire, au bout d'un moment, on devrait s'envoler. Attention, hop là. Oh non! C'est totalement foiré les gars, ça rend pas du tout bien. Et oh non, il y a encore la harceleuse de tout à l'heure qui vient. Elle a dit quoi? C'est trop nul ton truc. Et elle m'a dit sale moche. Attendez, non, il y a des hashtags, c'est quoi hashtag hashtag? Elle m'a dit quoi? Moche. Comment ça moche? Mais elle m'a dit que je suis moche, elle est sérieuse celle-là? Et elle est partie se prendre un appartement. Et regardez, elle est en train de me narguer depuis son balcon là. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas là, depuis son balcon? Elle fait quoi? Elle m'a dit, t'es trop moche le nul. Et elle rentre dans son appartement qu'elle ferme à clé. Bon les gars, la dernière astuce de Dieu du coup ça va être pour voler son appartement, parce qu'il faut clairement se venger là depuis tout à l'heure. Elle me dit que je suis moche et que je suis nul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement s'équiper. Hop là, juste là, on va aller prendre un échafaudage. Donc l'échafaudage est juste là, tac. On va poser l'échafaudage juste ici. Et là, hop là, on va monter du coup sur le truc du magasin juste devant là. Tac, on monte ici et c'est parfait. Et regardez, juste là-bas, elle est en train de s'entraîner avec son vélo. Là, je comprends pas trop ce qu'elle fait. Elle tourne en rond. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un lit. On va aller juste là, hop là, on va poser un lit à l'intérieur un peu. Et tac, nickel. Là, j'ai la tête à l'intérieur. Maintenant, plus qu'à dormir dans le lit et on est rentré. Maintenant, plus qu'à aller dans la pièce juste à côté, juste là, hop là. Et où est-ce qu'il est son coffre-fort? Il est dans le mur là, je crois. C'est pas possible. On va poser juste ici un lit. Et hop là, on va rentrer dedans. Allez, et nickel. Juste là, il y a le coffre-fort dans le mur. Maintenant, du coup, on va poser la bombe. Hop là, tac, on pose la bombe. Et on la fait exploser. Et là, nickel, on peut prendre tout l'argent. Et, oh non, par contre, attendez, la sécurité t'a détecté, mince. Faut vite que je m'enfuis avant que la sécurité la ramène juste là. Et nickel, je crois que j'ai réussi à poser mon lit là. Et hop là, j'ai réussi à sortir, parfait. Et où est-ce qu'elle est passée? Et elle est en train de paniquer dans l'appartement. Elle a marqué quoi? Elle a marqué non. Elle a trop le seum, les gars. Comme quoi, faut pas être méchant avec les autres. Bref, sur ce, du coup, les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à rejoindre mon groupe Roblox. J'ajoute tous en amis qui sont abonnés, qui ont liké la vidéo, qui ont rejoint mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.